Revue de presse numéro 2. Cartel ou l'histoire de CNews dont certains ont la liberté de parole brisée en leur mettant un bolo autour du cou. Massacre à la tronçonneuse ou l'histoire d'une tronçonneuse qui se fait greffer un homme pour devenir président de la République d'Argentine. Vol au-dessus d'un nid de coucou ou l'histoire d'insoumis dont le leader attend d'être étouffé par un coussin. Volte-face ou l'histoire de députés qui veulent garder leur double nationalité. Attrape-moi si tu peux ou arrête-toi à un contrôle de police, sinon full metal jacket. Boogie Nights ou Philip Seymour Hoffman aurait fait une belle Erzilia. La guerre des roses ou comment certaines féministes occultent certaines souffrances. D'ailleurs, la liste de Schindler est de nouveau d'actualité. Un été 42 ou l'histoire d'un adolescent amoureux d'une femme plus âgée. Certains diront qu'aujourd'hui, ce serait plutôt Mort à Venise ou l'histoire d'un prétendu homme qui est fasciné par la beauté d'un adolescent. Et enfin, Final Cut, ou l'histoire d'un implant nommé Zoé, greffé dans le cerveau des hommes et qui enregistre leurs souvenirs et les diffuse.